Ça tombe. Eh bien, ça tombe, c'est parti. Salut, c'est Gaëlle, alias Inspirit. Bienvenue dans mon 29e épisode de mon podcast Rico et Crochet. Enfin, bienvenue ou re-bienvenue, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas la première fois. Bon, là trop, hein, ça suffit, c'est parti. Alors, pour les projets terminés, je fais un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'à l'heure où je filme, le projet n'est pas terminé. Mais à l'heure où toi, tu vas le regarder, ce sera terminé. Du coup, je me suis dit que bon, on allait le mettre directement dans les projets terminés. C'est mon châle Canopy. C'est la box Knit Crate du mois d'avril. Et en fait, il se tient dans ce sens-là. Et il est immense et il n'est pas bloqué. J'ai adoré tricoter ce châle. Franchement, quand j'avais vu le motif, il me plaisait déjà. Et bah, quand je l'ai tricoté, il me plaisait encore plus. La seule modification que j'ai faite, c'est qu'en fait, là, le dernier motif en dentelle ici, il s'arrête là. Et le patron ne proposait que de faire deux rangs de points mousse et de rabattre les mailles. Et moi, je me suis dit que c'était dommage parce qu'il me restait quand même beaucoup de fil et que j'aimais bien le fait qu'il y ait beaucoup de points mousse à chaque fois. Donc j'ai continué en point mousse. Par contre, je n'ai pas le même nombre de rangs que pour toutes les bandes de points mousse précédentes parce que en fait il me reste que ça, j'étais pas sûre de toute façon d'aller au bout du nombre de rangs, donc voilà, là je suis en train de rabattre, un vrai bonheur. Le fil utilisé, c'est le Odin Wools de Knit Crate, donc je sais pas si vous aviez suivi, mais en fait la marque Knit Crate qui m'envoie les box tous les mois, elle fabrique maintenant ses propres fils. Et du coup c'est très souvent, et je crois que c'est même maintenant systématiquement, que dans la box on a le fil de la marque. Et celui-là, il contient 85% de laine mérinos et 15% de cachemire. Du coup il est tout doux. Alors certes, avec les 30 degrés qui sont en ce moment dehors, je ne vais pas le porter. Mais franchement, au début je me disais, oh ce sera un joli cadeau. Et en fait ce sera un joli cadeau de moi-même à moi-même. Pour les projets en cours, du coup mes guêtres que j'ai innocemment zappé, volontairement, inconsciemment zappé, peut-être, la dernière fois que je vous ai fait un podcast, hein, où je vous avais dit genre, ah, j'ai qu'un projet en cours, ce qui était complètement faux. Donc, bah, elles n'ont pas vraiment avancé. Hein. Si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents, ce sont des guêtres que je tricote en Einband de chez Lopi. C'est un fil que j'avais ramené l'année dernière de mon voyage en Islande. Le fil n'est pas doux du tout pour l'instant, mais j'ai très bon espoir qu'au lavage, ça s'adoucisse. Je les tricote en 2,25, j'ai monté genre 90 mailles je crois, quelque chose comme ça, parce que bah, je veux que ça passe suffisamment, enfin je veux pas que les guêtres soient collées en fait sur mes mollets. J'ai l'intention de tricoter une pelote, en fait j'ai deux pelotes, donc de tricoter une pelote par guêtre pour avoir des guêtres vraiment très grandes, parce que l'idée c'est quand je donne mes cours de yoga en hiver, surtout les cours de yin, ça caille. Et du coup, bah, c'est pour me réchauffer les jambes en hiver. Et éventuellement, les mettre sur mes bouts de pied quand je suis assise et que je n'ai pas besoin de marcher. Donc, le seul projet en cours cette fois-ci, et c'est vrai. Dans les projets à venir, j'ai toujours l'histoire du gilet. Le seul problème, c'est que j'ai absolument pas trouvé le temps d'aller chez les Louiselle acheter du fil. Donc, bref, je vais le faire. Je vais le faire. Le truc, c'est que j'ai appris hier sur l'Instagram de Lil Weasel que Anne partait en congé tout le mois de juillet. Et vu que ben, j'aime bien les conseils de Anne, c'est elle qui m'a conseillé pull tous les derniers gros projets que j'ai fait, que ce soit le pull pour mon père, le pull pour mon mari. Le dernier gilet que je me suis fait, c'est tombé, mais nickel. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre le mois d'août pour aller acheter le fil, parce que de toute façon, en ce moment, il fait beaucoup trop chaud pour tricoter un gilet. Donc pour les prochains projets, en fait j'ai des chaussettes, donc il y a une paire de chaussettes que je vous avais montré qui est finie mais que je peux toujours pas vous montrer, mais en fait il faut que je la retricote dans une autre couleur avec un certain fil, donc déjà ça ce sera le futur projet qui va arriver très vite, je reçois le fil la semaine prochaine si je ne me trompe pas et si mon expéditrice arrive à me l'envoyer. Et du coup en plus bah, avec les infos que je vais vous donner dans la suite, vous comprendrez que l'été devrait être placé encore sous le mois de la... sous le signe de la chaussette. Depuis le dernier podcast, j'ai rajouté une rubrique qui s'appelle Info plus ou moins en vrac,
Et je vous avais dit que j'étais pas sûre de la remplir à chaque fois. Il s'avère que là, j'ai encore des infos plus ou moins en vrac à vous raconter. La première info, c'est que le cal tricote tes chaussettes a commencé au 1er juillet. On est 99, on n'a pas atteint les 100. On est 99 piles à participer à ce cal. Les inscriptions sont fermées, donc de toute façon, on ne dépassera pas 99. C'est fermé pour les deux mois qui viennent. Le cal dure juillet, août. J'ai une première personne qui m'a proposé d'être partenaire, enfin sponsor du projet. Et c'est trop chou parce qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas de boutique, qui... Bah, du coup, qui ne cherche pas à se faire de la pub, qui cherche juste à être trop sympa. Et je trouve ça mais tellement génial. En fait, la personne m'a contactée. Alors, j'ai oublié ton pseudo et je ne l'ai pas noté. Je suis désolée, je le remettrai dans la barre là juste en dessous que je vous mets d'infos. La Miss, elle m'a contactée par Instagram. Elle me dit bah, « Si tu cherches des partenaires, moi, je veux bien. Je propose de coudre des sacs à projet de chaussettes et d'en offrir un ou deux, je crois qu'elle m'a dit. » Et du coup, j'ai dit, bah ouais, c'est quoi ta boutique, que je fasse la pub et tout. Elle me dit, mais non, j'ai pas de boutique, j'aime juste bien tricoter et coudre. Et du coup, j'avais envie de faire plaisir à des gens. Voilà. Merci de me redonner foi à l'humanité. Je trouve ça trop chou, je suis hyper contente et c'est trop, trop cool. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est le premier sponsor que j'ai. Et c'est un sponsor trop, trop top. La deuxième info en vrac. C'est le festival de l'écheveau solidaire. Je sais pas si t'en as pas entendu parler. Peut-être tu vis dans une grotte. Ou peut-être, peut-être tu regardes pas les réseaux sociaux. En fait, l'écheveau solidaire, Aurélie organise son premier festival. Donc pas le week-end prochain, mais celui d'après, les 20 et 21 juillet, donc samedi, dimanche. Et moi, j'y serai le samedi avec ma famille toute la journée. Donc je serai pas sur un stand. Mais si, par hasard, tu me croises dans le festival, n'hésite pas à venir me faire coucou parce que je reconnais pas toujours tout le monde, mais ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir rencontrer en vrai tous les gens avec qui j'échange, que ce soit ici sur YouTube ou sur mon blog, sur par mail, sur Instagram, enfin n'importe quoi, n'importe quel endroit où on peut échanger, Ravelry. Enfin bref, moi je suis toujours hyper contente de vous rencontrer en vrai, donc soyez pas timide. Promis, je ne mords pas. Enfin, en tous les cas, je ne mords plus. Je mordais quand j'étais petite, mais ça c'est fini. Je vous jure, je n'ai plus mordu depuis très longtemps. Donc surtout, venez me voir, ok? La FAQ, alors cette fois-ci j'ai des questions qui viennent d'Instagram et des questions qui viennent de YouTube. La première question c'est Gauguin Paquereau. J'ai un projet de gilet en tête mais il est en anglais et je n'arrive pas à le traduire. Alors la première info c'est que sur mon blog il y a un dictionnaire qui permet de traduire de l'anglais vers le français. Ça c'est le premier truc à regarder, je ne sais pas si tu l'as regardé. Et par contre, le deuxième truc, c'est que je ne sais pas où est vraiment ta question. Si tu cherches à ce que je te le traduise, ben, ce n'est pas possible, je n'ai pas du tout le temps. Par contre, s'il y a des personnes qui traduisent les patrons, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut s'arranger parce qu'après, les patrons, on n'oublie pas qu'ils sont soumis, enfin, quand vous les achetez, ils sont soumis à des droits d'auteur et compagnie. Donc, on ne peut pas non plus les diffuser n'importe comment, les traduire n'importe comment. Donc, ben, si vous avez des solutions, vous me dites. Moi, pour la, enfin, mis à part... te dire que bah, tu regardes le dico, s'il y a des petits bouts que tu n'arrives encore pas à traduire malgré le dictionnaire, ça je veux bien filer un coup de main, mais j'ai absolument pas le temps de traduire le patron complet. Et l'autre truc, c'est de regarder sur Ravelry, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà tricoté, et du coup, demander un coup de main à ces personnes-là. Par exemple, il y a toujours le sujet SOS, j'ai besoin d'aide dans le groupe Ravelry, je remettrai les liens dans la zone de description sous la vidéo. Il ne faut vraiment pas hésiter, les gens sont assez réactifs. Et du coup, quand moi je ne peux pas aider, il y a toujours quelqu'un qui peut filer un coup de main. Et peut-être typiquement une personne qui aurait tricoté ce gilet. Question suivante de Le Coin de Marie-Clémence. À toi la fan des chaussettes, que penses-tu des Soccer's Rule et est-ce que tu en utilises? Alors, j'ai découvert que ce truc existait il n'y a pas très longtemps. Et donc, bah, donc la réponse est non, je n'en utilise pas. J'ai aucune espèce d'idée de... Alors si je vois l'intérêt du truc, hein, c'est qu'en fait vous mettez... ça ressemble un peu comme un bloqueur de chaussettes. Donc en fait c'est en général en bois. On enfile la chaussette dedans et ça permet de savoir si on a la bonne taille du pied avant genre, de passer au talon ou ce genre de truc. Perso, j'ai 1 mètre, je sais combien mesurent les pieds en fonction des tailles. Du coup, je fais comme ça et j'ai jamais utilisé ce genre d'outil. Donc, je n'ai aucun espèce d'avis sur le sujet. Je pense que ça peut être très pratique. Hein. Après, moi, je fais autrement, donc
je peux rien en dire. Par contre, si toi, tu utilises ce genre d'outil et que bah, tu as un avis sur le sujet, hein, que ce soit pratique ou pas pratique, peu importe, juste bah, n'hésite pas à poster dans les commentaires. Ça pourra peut-être aider Marie-Clémence à avoir une réponse à cette question. Citron Sauvage qui demande « Tu achètes où la laine à chaussettes sur Paris ?» Alors, je pense que j'ai déjà dû répondre à la question, mais c'est pas grave. À Paris, mes deux boutiques chouchou, c'est Lil Weasel, donc la boutique de Karine, passage du Grand Serre, dans le premier. Et l'autre, c'est les Tricoteurs Volants, Enrico, qui est rue de la Fidélité. Et voilà, c'est les deux boutiques dans lesquelles je trouve qu'on a un choix de fil qui est conséquent. Et pour tous les prix, notamment chez Enrico, pour le fil à chaussettes, il a aussi des qualités qui sont bonnes, mais à des prix moins chers parce que c'est de l'industriel. Karine, elle est plus sur des fils un peu qu'on trouve pas partout, qui sont... alors pas tous faits à la main, mais il y en a beaucoup. Elle, en particulier, elle teint aussi ses propres fils. Donc après, à voir en fonction de ce que tu recherches, du prix, du type aussi de fil, parce qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Donc honnêtement, mes deux boutiques chouchous, bah, ce sont celles-ci. Après, il y a aussi la bien-aimée qui est vers Place d'Italie, enfin dans la butte aux Cailles, qui fait des très jolies choses. Par contre, au niveau des tarifs, on n'est pas vraiment sur le même créneau. Et moi, je sais que bah, le fil à chaussettes, moi personnellement, je me fixe un prix. Il y a des prix que je ne veux pas dépasser pour me tricoter des chaussettes, parce que c'est quand même quelque chose qui va s'user, alors pas hyper vite, mais relativement vite. Et du coup, le fil à chaussettes, c'est pas chez Amy que j'irai l'acheter, parce que c'est pas dans ma gamme de prix. Mais après, si c'est dans la tienne, surtout n'hésite pas, elle fait des très très jolies choses. Franchement, à chaque fois, je bave devant ce qu'elle fait, mais c'est juste une question d'argent. Et comme me l'a fait remarquer monsieur quand il a coupé la vidéo, que ce soit chez Karine, donc Lil Weasel, ou chez Enrico, les Tricoteurs Volants, les conseils, ils sont juste au top. C'est des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui tricotent et qui vont pas vous vendre n'importe quoi. Enfin, Amy, c'est pareil, hein, d'ailleurs. C'est des gens qui connaissent leur métier, qui le pratiquent. Et du coup, bah, pour moi, c'est quand même une chose qui est très très importante, contrairement à d'autres enseignes qui vont être des chaînes où les gens, ils sont pas forcément tricoteurs et où du coup, bah, le conseil, il est pas toujours au rendez-vous. Question suivante, c'est Chouchou Julie. Bonjour Gaëlle, qu'est-ce qu'un WIP ? WIP, c'est Work in Progress en anglais. Donc ça veut dire que c'est un ouvrage qui est en cours de tricotage, tout simplement. Ou de crochetage. On ne dit pas crochetage, on ne dit pas tricotage. Qui est en train d'être tricoté et qui est en train d'être crocheté. Et la dernière question, c'est Alexa Donna sur YouTube, et avec une question YouTube d'ailleurs. Quel est le premier podcast tricot que tu as écouté sur YouTube ? Alors, sur YouTube, c'est plutôt regarder que écouter, t'es genre la relou. Et quel est celui qui t'a inspiré pour faire le tien ? Alors, je suis incapable de me souvenir le premier que j'ai pu regarder. Je pense clairement que c'est même d'ailleurs celui qui m'a donné envie d'en faire aussi. Enfin, en fait, c'est... Oui, si, c'est celui de Selma. Selma Znitz. Je pense que vraiment, Selma, c'est celle qui m'a donné envie de faire comme elle, de copier. Et en plus, ses podcasts sont vraiment top. Je sais qu'en ce moment, elle n'a plus du tout le temps d'en tourner, mais j'ai hâte qu'elle recommence parce que le format, il est exactement ce que j'attends de ce genre de podcast. Donc, c'est relativement court, une demi-heure max. Après, parfois, elle en a fait des plus longs, mais globalement, c'est une demi-heure max. Elle dégage une pêche d'enfer, elle fait des projets qui sont hyper sympas, qui me donnent plein d'idées. Donc bah, clairement, c'est Selma. Après, je sais que j'en ai regardé d'autres où j'ai plus ou moins accroché parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de gens, moi, je peux pas. Quand c'est trop long, j'ai pas une heure, deux heures devant moi à consacrer à regarder ce genre de choses. Parce qu'en plus, alors après, c'est hyper perso, mais souvent, quand les podcasts sont très longs, il y a plein de fois, je me dis ça pourrait être coupé, ça pourrait être coupé, ça pourrait être coupé. Et du coup, on aurait un truc un peu plus dynamique et un peu plus court. Après, c'est juste mes goûts. Ça ne veut pas dire que les personnes qui font ces podcasts, c'est pas bien et tout ça. Enfin, il n'y a aucun jugement de valeur derrière, c'est juste mes goûts. Et voilà, parce qu'en fait, je sais que vous êtes beaucoup à tricoter quand vous regardez les podcasts. Moi, en fait, je regarde des séries avec mon mec quand je tricote et mon mec regarde les podcasts de tricot. Donc, avec tout ce que je fais à côté, ça me laisse assez peu de temps pour regarder ce type de podcast. Donc, il y a une époque, c'est vrai que ce que je faisais, c'est que je fractionnais le podcast en tranches de 20-30 minutes.
Et puis en fait, je m'en suis un peu lassée de faire ça parce que c'est pas, enfin ça casse la dynamique du truc quoi. Quand on coupe, c'est comme si vous regardez un épisode de je sais pas, un truc, enfin de n'importe quoi et que vous devez couper en trois fois, c'est pénible. Donc en fait, j'avoue qu'en dehors de celui de Selma, j'en regarde plus beaucoup. Et c'est donc tout pour ce podcast qui aura, comme d'habitude, un format relativement court. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas. Comme d'habitude, lâchez-vous dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier un milliard de fois pour toutes les réactions hyper positives et hyper encourageantes sous le podcast d'il y a 2 semaines, suite au sujet sur Ravelry avec le sujet sur l'inclusion, parce que c'était quelque chose qui me touchait vraiment, qui me tenait à cœur. Et de voir que on est tous sur la même longueur d'onde, ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont... trop cool en fait, j'ai envie de vous dire. Vous êtes tous géniaux, je vous remercie d'être là et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.